Good morgen, allez, dernier sujet aujourd'hui, le Nishmat Richard ben Fortune Mazal, Claude Israël ben Fortune Mazal, Rachel Batara et Avraham ben Shushan. Si vous souhaitez, vous aussi, dès une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Rosh Hashanah, Perek Bet Mishnah Gimel. Keitzad Ayu Masi'in Mesu'ot. Mevi'in Klun Sa'ot Shal Erez, Arukim, Vekanim, Ve'atzeshemen, Oneoret Shal Pishtan, Ve'korech Bimshicha, Ve'ole les Roches. Ha'ar, ou matzid ben et ha'our, ou molich ou mevi, ou male ou morid, ad chou roe et chavero chou rose ken, berosh ha'arashani, vechen berosh ha'shalishi. Pour une fois qu'on avait décrété à Yerushalayim, au Sanhedrin, que le Rosh Chodesh avait été établi pour le 30e jour du mois, donc le 30e jour depuis le Rosh Chodesh précédent, les témoins sont venus le matin, on a reçu leur témoignage, on dit c'est bon, vous avez eu la nouvelle lune, alors on n'est plus le 30 du mois précédent, on est le 1er du nouveau mois. Le soir suivant, il fallait envoyer le signal à tous les habitants de diaspora que on était déjà rentré dans le deuxième mois, donc il y avait un signal, un code qu'on va voir dans la Mishnah, comment est-ce qu'on le faisait. Et comme ça, on diffusait la nouvelle que on était déjà le 2 du mois, on pouvait se préparer pour les fêtes, si c'était Tishrei, pour les fêtes de Tishrei, pour Tishrei en l'occurrence, c'était pas bon, mais on faisait à la fin de Rosh Hashanah, quoi, si c'était... Et pour ainsi de suite, pour savoir quand est-ce qu'on allait faire toutes les fêtes juives. Comment on faisait le signal? Keitzad ayu masi'in mesuot. Comment faisait-il pour masi'in mesuot? Alors le mot mesuot, on a déjà dit, c'est des torches. Masi'in, je ne sais pas si c'est un du mot lissa, lever, ou bien si ça vient, c'est un mot qui est fait avec à partir du verbe. Comment est-ce qu'on va faire torcher les torches? Je ne sais pas ce que j'allais dire exactement, mais on va lever les torches. En tout cas, comment il fallait faire comment on faisait? Il va falloir expliquer deux choses. Trois même. La matière, qu'est-ce qu'on prenait? Le signal et où on le faisait. C'est les trois choses qu'on va voir dans le Mishnah Gimel et le Mishnah Delet. Les deux premiers dans le Mishnah Gimel. Donc la Mishnah me raconte. Mevi'in klunsaot shel erez. On a porté des klunsaot. Des klunsaot, c'est des tasseaux de bois. Shel erez, qui était en cèdre. Un bois qui est haut. Arukim, qui était long. Vekanim, et aussi des roseaux. Vatse shemen, et aussi toutes sortes de bois qui étaient des bois gras. Soit l'olive, par exemple, on fait de l'huile d'olive, vous savez, bah même le bois de l'olive, de l'olivier, l'olivier en l'occurrence, il a une faculté de bien brûler. C'est un bon combustible. Et aussi, on est au red shel pishan, et en plus de ça, des éclats de lin, vekorech bimshicha, et on faisait, on les attachait, on fabriquait une torche, ils sont en train de donner la recette, comment fabriquer une bonne torche qui brûle bien et très haut, et pendant longtemps. Donc, vekorech bimshicha, il les attachait avec une ficelle, le tout, Voler les roches, ha'ar, et il montait sur une montagne. Umatsit bahen et ha'our, et il envoyait l'étincelle pour les brûler, commencer à allumer. Une fois que la torche s'était enflammée, eh bien, il y avait le code qu'il fallait faire. Umolir, umevi. Il va devant lui, il ramène, molir, mevi, et ma'ale, il fait monter, il redescend. Comme ce qu'on faisait avec le loulav, en fait. Sauf que bon, on ne faisait pas dans les 6 directions, on faisait dans une seule direction. Il faut faire molir mevi et malé et morid en fait. D'accord? Dans la Gemara, c'est écrit entre parenthèses que le lave, il fallait faire comme ça. Il n'y a pas écrit dans toutes les directions, dans tous les points cardinaux. Regardez. Bon. D'accord. Donc, au mevi, au malé, au morid, à cheuroe, et travero, cheuro seken, jusqu'à qu'il voit, c'est comme dans les menachot en fait. Dans les menachot, on faisait aussi la tnoufa au batamigdash. On balançait le balancement, c'était comme ça avec le même molir mevi, malé au morid. Jusqu'à qu'il voit que dans la montagne d'en face, ils ont compris le signal et l'autre il est en train de faire la même chose que moi. Et maintenant, une fois que lui il est en train de le faire, lui il regarde maintenant que dans la montagne d'après, le signal est arrivé de nouveau, etc. ainsi de suite, d'une hauteur d'une montagne à une autre montagne. On va voir exactement dans la prochaine Mishnah, on va préciser quelles étaient exactement ces montagnes qui étaient de là jusqu'à Babel, comme ce qu'on va voir. Idem pour la troisième, à la tête de la troisième montagne, en haut de la troisième montagne, et ainsi de suite, comme ça, d'une montagne à l'autre, on pouvait bien se voir et se faire le signe. Imaginez là, si par exemple, là de chez moi, de Ramot, j'ai une vue sur toute la plaine de trucs, de Yerushalayim, avec là-bas les quartiers de Sorotskin, et bien imaginez si je fais le signal, sans problème, celui qui est là-bas, il est en ce moment, je ne sais pas combien de kilomètres, à vol d'oiseau, peut-être à 3 km, il va voir le signal très facilement, il va le faire, et là-bas de l'autre côté, ça va passer là directement en Beit Vagan, et de Beit Vagan, ça va passer jusqu'à, et on pourra arriver comme ça jusqu'à
Et on peut arriver comme ça en vraiment 3, en 2 minutes, on peut, en 3 minutes, on peut faire le signal jusqu'à, si vous voulez, jusqu'à Hebron sans aucun problème. Si on est sur les bonnes montagnes, vous imaginez bien la propagation, comment ça va aller vite. Prochaine Mishnah, ça va d'être de détailler précisément où se trouvaient ces montagnes, avec toutes sortes de noms qu'on n'a pas de grand intérêt, mais on va les lire de cette règle de Mishnah. Et puis voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.